m'appelle Harry Roselmack, je suis journaliste d'origine, mais aujourd'hui multi-entrepreneur. Je connais le Business Club par les mails d'Harold, son président, qui m'invite depuis des années. C'est vrai que j'ai un peu procrastiné, j'ai un peu traîné à répondre à cette invitation, mais je l'ai fait et je ne regrette pas. Moi, par définition, tous les endroits où je peux rencontrer des gens, où je peux échanger avec eux, où je peux apprendre des choses, me nourrir, partager, c'est des endroits qui m'intéressent. Je ne suis pas un habitué des déjeuners d'affaires, mais je me suis rendu compte à l'occasion de ce déjeuner-ci à l'Intercontinental que c'est vraiment effectivement le moyen de rencontrer des gens hyper intéressants. Il y a une grosse densité de personnes qui avec lesquelles il est intéressant d'échanger. Et puis en plus, ce format qui met en avant une personnalité, qui partage ce qu'il vit dans son secteur, les coulisses un petit peu de ce que nous, on peut voir en tant que spectateur, en tant qu'auditeur, c'est quelque chose de très intéressant et de très riche. Effectivement, pour un journaliste, encore un peu, mais surtout entrepreneur, c'est vrai que c'est une formule parfaite parce que j'y ai de l'information, j'y ai accès à de l'information, mais que j'utilise justement pour nourrir cette activité d'entrepreneur et mes projets d'entrepreneur. Et en plus, je fais des rencontres qui sont très utiles, donc c'est intéressant. Oui, je recommanderais le Business Club. Après, tout dépend de ce qu'on vient y chercher. Je le recommanderais effectivement pour des gens qui sont curieux de ce monde de l'entreprise, qui sont curieux de cette culture de l'entreprise, qui ont besoin aussi de se faire des contacts, d'avoir des relations et de passer un bon moment intellectuellement stimulant. Donc pour toutes ces raisons, je le recommande.